Comment déclarer les variables JavaScript? Donc, si vous voulez déclarer vos variables que vous pouvez utiliser plus tard, premièrement, vous appelez la balise script. Script pour JavaScript. Et puis, vous déclarez vos variables. Var, A, B, C par exemple. Et puis, on dit A égale 5. B égale 6. Et C égale A fois B. Voilà. Bon, on va essayer d'utiliser ça dans notre document HTML. On appelle quand même le mouvement document point getElement by ID. L'ID ici, ça sera MA. Toujours dans les double quotes. MA. Dans MA, on lui insère les inert HTML qui sera égal à C. Voilà. Et puis, juste après l'image ici, nous allons insérer une page. On insère une page. Plutôt un paragraphe. Désolé. Un paragraphe. Et on lui affecte l'ID MA. Ok. Donc ce qui sera affiché dans ce paragraphe là, c'est ça. Ok, nous rentrons sur notre navigateur ici. On actualise la page. Nous avons 30. Donc, c'est très simple. Ici, si on met par exemple plus, notre résultat sera 11. On voit, on actualise, nous avons 11. C'est comme ça qu'on peut faire les choses avec JavaScript. Comme toutefois, à la place ici, vous pouvez mettre vos textes. Comme toutefois, à la place ici, vous pouvez mettre vos textes. Ici, moi, je peux insérer au moins du lorem ipsum. Voilà, par exemple, j'insère ça. Et puis, j'enregistre, sinon il y a un petit problème. J'insère le lorem ipsum, juste une ligne. Voilà, j'enregistre. Et puis, j'actualise. Voilà. Le message est là. Et pourtant, quand on regarde ici, à l'intérieur de notre page, il n'y a rien. Et notre paragraphe, il n'y a rien. Comprenez, page, paragraphe, j'y reviens toutefois. Donc, à l'intérieur du paragraphe, il n'y a rien. Mais cependant, vous envoyez ce contenu là-bas. Ça devient un peu d'une sorte là dynamique. Donc, on peut faire de la même manière qu'on a fait avec les deux boutons là. Donc on peut juste envoyer, on clique, on envoie ça là bas et puis vous pouvez changer vice versa. Cependant, on peut revenir sur tout ça, mais on crée encore d'autres variables pour voir comment ça fonctionne. Je crée d'abord la variable, par exemple la variable pi, qui est égale à 3.14. et puis je crée la variable personne qui est une chaîne qui est égal à qui pili capulo. Et puis
encore la variable réponse qui est égal à je suis là. Ok, je suis là. Et comment afficher ça dans ces paragraphes? Nous allons on peut faire un truc là de nouveau. On affiche pi plus la balise BR. On fait plus personne. Je fais plus encore la balise BR. Je fais plus réponse. Voilà. Je valide et je viens tester. Vous voyez, on m'affiche ça. Donc, si vous regardez très bien, c'est ce qui est là. Le pi, la personne et la réponse. Pi est là. À la ligne, personne, à la ligne, tout ça. Donc, on devait afficher ça, puis ça et puis ça. Voilà. Donc, c'est très simple, notre histoire là de JavaScript, et c'est beau à voir.